tua, mano. Je n'ai pas tout saisi, c'était du créole. Créole, du soleil de la Guadeloupe. Avec mon tambour et ma voix, dans des ancêtres. En tout cas, ce que vous avez fait, c'est communiquer beaucoup de positivité. Je ne pouvais pas ne pas répondre présente. Merci, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette chanson? Donc, c'est un jeune homme qui craint d'aller dans une commune de la Guadeloupe, parce qu'on lui fait du mal. Donc, il dit à sa mère et à son père, qui ne va plus à bel étang. C'est juste ça. Ok, bah, ravi de l'apprendre, merci. Merci pour la Guadeloupe, c'était. Bah oui, pour même. Bonsoir, vous avez parlé de soleil. Et en fait, c'est ça, vous avez amené du soleil. Et franchement, ce qui est dingue dans cette émission, c'est que les talents viennent de partout, et avec tous ces différents sons, ces différentes manières de chanter, mais qui font tous partie de la provocation des émotions. On comprend pas ce que vous êtes en train de dire. Moi, j'ai pas compris. Je pense que Julien, j'ai l'impression... Non, j'ai pas compris. Malheureusement, mon grand-père était né là-bas, mais je ne parle pas le créole. Mais quand même, ça communique. Et je le dis souvent, en fait, la force de la musique et la force du chant, c'est qu'il faut pas tout comprendre, il faut sentir. Et le pouvoir de la musique, il n'a aucune limite. La musique, elle est universelle. Bien sûr. Sans frontières. On comprend pas la musique, on la comprend. Exactement. C'est pour ça que c'est beau. Et c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai trouvé ça très beau. Et ça m'a réchauffé. Merci beaucoup. François, dès les premières notes, j'ai entendu un appel. J'étais obligé de répondre à l'appel. Juste parce que j'ai senti l'âme de ce que tu chantais. J'imaginais que tu n'étais pas tout seul. Il y avait plusieurs de tes proches à côté de toi en train de chanter avec toi. Donc c'est pour ça que je me suis retourné. Et en plus, en chair et en chapeau. Merci. Mais je me permets de te tutoyer. Je ne suis pas seul ici. Vous ne les voyez pas, mais ils sont avec moi. C'est ce que j'ai ressenti. Et tout à l'heure, il a dit un mot, les ancêtres. Et chaque fois qu'il faisait ça, j'avais l'impression qu'il était avec tout le monde, justement. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est le cousin, lui. Oui. Ça m'a fait un immense plaisir de vous entendre, parce que je suis heureux et fier que celui qui représente la Guadeloupe ce soir dans cette émission nous fasse quelque chose de véritablement ethnique. On entend dans votre prestation le legs qu'a fait l'Afrique aux Antilles françaises. Bel héritage. Évidemment. C'est beau, je crois, pour la France d'avoir aujourd'hui entendu cette musique-là qui vient des esclaves. Et vous êtes un héritier de ça. C'est ça que vous faites très 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 bien. Et vous, vous êtes grand, digne, et vous parlez à la mémoire de notre pays et de votre île. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, alors. Voilà, tu as compris. Putain, bon, tu as compris. Chez nous, on dit, à rapport père, moi, première boulangerie, la première personne qui s'est retournée. Donc je vais aller vers oh. En chemin et en chapeau. Sopra! Les respects, monsieur François. Les respects. Les respects. Merci beaucoup. Merci pour cette humanité. Merci beaucoup. Ah, on leur dit bonjour. Mais oui. Merci, merci. Merci. Qu'est-ce qu'il est sympathique.
m'a un peu bouleversé un peu. C'était beau ce que t'as dit, Julien. C'est beau ce qu'il a dit. Ouais. J'adore mon équipe. Elle est un peu folle, mon équipe, mais je l'adore. Il y a une variété ouais. formidable, non ouais, c'est une variété musicale aussi extraordinaire. Tu plaides